Out. Ouais, ça va, merci. Je suis contente parce que je suis sortie juste après un jour pro. Non, ça va rien dire, hein. Elle, Abby, ça fait pas le moine. Je m'appelle Nathan, et toi? Moi, c'est Sacha. Enchanté. Toi, tu t'es fait sortir comment? Je suis pas dans mon assiette, c'est tout. Ah ouais, direct dans le gosier? Y'en a qui défendent pas mal dans ton équipe. T'as eu tes potes, là? Ouais. Je crois qu'ils vont pas tarder. Et moi, je reste encore un peu parce que j'ai mes chargeurs pleins. Ça m'arrive tout le temps. J'en prends trop. C'est pas grave pour la prochaine partie, alors. Ouais. Oh. Ah ouais, ça va piquer. Tu vois, lui, c'est un vrai bleu. Quoi? Enfin, je veux dire, tu vois, il a des taches bleues. Enfin, c'est un bleu, quoi. Mais il est jaune. T'es daltonien ou quoi? Bah ouais. D'accord. Ça, c'est une victoire! Nathan, mais t'as foutu quoi? Avec tes conneries, j'ai dû protéger le camp toute seule. Je te préviens, tu me dois un demi-sac de livres. C'est bon, ça va, laisse-le tranquille. Ouais, désolé, c'est tout ça aussi, ça m'a crevé. On se fait une partie de speed? Ah non, 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 pas de speed, s'il vous plaît. S'il te plaît, non, je vais jouer. Allez, Nathan, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. On en fait juste une, après on fait de l'urbain. Perso, ça me va, de toute façon, j'aime bien les deux. Ça fait du bien de te voir positif comme ça. Les gars, ça vous tente une partie de speed? Bah allez, hein. Ouais, vous êtes quatre et nous aussi, c'est parfait. Moi, j'ai encore envie de l'épuiser. Non, t'inquiète, le speed, faut juste être rapide. Ouais. Dix, neuf, huit, sept. T'es sûr que mon chargeur est plein? Six. Bah ouais, pourquoi? Cinq. Je sais pas. Quatre. Trois. Deux. Un. Zéro. Out. Alors ça, mon gars, tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles, vraiment. Tequila, gin, vodka, un peu de triple sec, du rhum, parce qu'on n'est pas des bêtes non plus, et liqueur de fruits et un peu de thé. Bon, là, on n'a pas de vrai thé, donc on va prendre du thé glacé. Tiens. T'as parlé pas seulement du whisky. Non, je vois. Ah ouais, ça arrache. Bah, okay. Mec, c'est ça qu'il te faut. Ouais, moi aussi, je veux goûter. Ah, vraiment, se torcher avec des amis, c'est sale, vrai, Romaine. Et oui, j'avais pensé que c'était le paintball vu que tu allais avec ton père, mais franchement, moi, je pense pas. Hein. Ah ouais, c'est vraiment mauvais, en fait, aujourd'hui. T'arrives quoi? Eh, si tu veux, je peux te donner des cours de tir. Putain, le casque. Je te le prends. Merci. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Eh, hey, c'est censé être rapide, hein! Nathan? Ouais? Tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis du paintball. Moi? Non, mais en dehors de ça. Ah. Ah ouais, je suis en génie mécanique, mais ça me plaît pas tellement, tu vois. Je crois que je vais prendre l'affaire de mon père. Il faisait quoi, ton père? Il était exorciste. Hein? Ouais. T'as vu, c'est pas banal, hein? Mais ouais, il a toujours été comme ça, extravagant, donc... Mais t'es au courant que... si tu fais ça, les gens vont te prendre pour un mec encore plus louche? Ouais, enfin... Tu vois, même si c'était un charlatan et tout, et j'étais vraiment pas d'accord avec ça, bah... ça serait pas lui rendre honneur que d'arrêter tout ce qu'il a construit, tu vois.
Putain, je suis jaloux. J'aurais adoré faire des trucs comme ça en famille, mais mes parents sont profs, alors c'est très sérieux, c'est carré. Quoi. Mais tu vois, après on n'y allait pas tout le temps, tu vois, c'était de temps en temps. Parce qu'il aimait bien, mais ça permet de souffler, tu vois. Il a même fait passer son arme au frais de société par l'église. Alors ça coûte une blinde, ce truc-là, tu vois. Tu vois, j'avais raison pour le paintball. En gros, pour ça lui fait du bien, une manière de soigner le mal. Moi, tout ce que j'entends, c'est que les protestants, ils sont en problème avec les armes. Putain, c'est dingue. T'étais jamais venu quand il était là? Non, mais j'aurais adoré le rencontrer. Non, parce que tu le connaissais pas, moi. Il était fou, dingue. Surtout vers la fin, c'était... Enfin bon, faire ça ou autre chose. Ouais, mais tu peux pas te sacrifier pour son travail. Tu vas faire ce qui te plaît, non? Non, les belles paroles. Comment le savoir? Ah ben ça... C'est la maladie du siècle, cher ami. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis dans l'humanitaire. La communication, l'aide, tout genre de choses. C'est qui la bosse, encore une fois? Normalement, ça se passe pas très bien. C'est pas mal, ça. Aider les gens. Ouais. On peut prendre notre revanche. Vas-y, on fait ça sur le terrain d'Urbain, ça vous va? Allez. Avant, tu diras à ta pote de se calmer un peu sur la puissance, hein. Elle était au-dessus des 20 joules, et franchement, des coups de pute comme ça, non merci. Mais je vous ai juste contourné, c'est quoi le rapport avec la puissance? On est meilleur que vous, c'est tout. Non, hein. Non. Franchement, vu la douleur, c'était largement au-dessus des 20 joules. Mais après, je comprends, hein, c'est pour compenser la faiblesse de ton petit copain là-bas. Je te conseille vraiment pas de l'insulter. On réglera ça sur le terrain. Bon, on se roule un joint ou... C'est pas... Ouais. Bah gâchez votre joint les mecs. Hein. Tiens, roule-le. Bon et sinon c'était cool aujourd'hui? Je suis vraiment désolé de pas avoir pu venir, j'ai pas pu me libérer. T'inquiète, c'est pas grave. C'est juste sur la fin, on a affronté des connards. Mais bon, Nathan les a bien éclatés, donc ça va. On sait comment ils jouent, mais il faut pas qu'on se repose là-dessus, ouais, d'accord? Je vois même pas pourquoi tu te prends la tête, on a toujours gagné, pourquoi on commencera à perdre? Ouais, mais vu comment tu les as énervés là, je sais pas trop. Non mais y a même pas de stratégie adoptée, ils sont nuls, enfin ça fait 4 parties qu'on les bat. Bon, ok, pas de stratégie. Je prends le front. Hé hey Nathan, tu nous écoutes là? Ouais, totalement. Bon, moi je reste avec Nathan à l'arrière. Vu qu'on me laisse le choix, je prends le centre. T'es sûr que ça va? Ouais, impec. Bon, en tout cas, j'espère que ça te fait du bien cette journée. Hein. Ouais, mais attends, ça va être trop bien. Ça faisait combien de temps c'était pas vu comme ça tous ensemble? 3, 4 mois? Plutôt vite. Ouais. Mais même toi, je suis trop content de te revoir. On s'était perdu de vue, c'est con. Héloïse? Oui? Les billes viennent de là-bas. Oui, je sais. On devrait y aller. Ok. Et vous oubliez la galette de faim. J'ai jamais vu quelqu'un vomir à cause de l'effort. Mon petite nature. Oh putain, j'aurais tellement kiffé voir ça en vrai. Ça va mieux? Tu as fait un peu comme Jérôme en fait. Ouais, c'est ça. Jérôme? Tiens. Si le gars là au lycée, grand, cheveux courts, qui était tout le temps malade. Ah oui, lui, oh. Oui. Vous avez des nouvelles de lui d'ailleurs? Ton père, mais t'es pas obligé de faire pareil pour honorer sa mémoire ou je sais pas quoi là. Enfin, tu sais, on n'a pas de nouvelles de vous. C'est pour m'aider. Hein. Oh, c'était la bonne époque. Si t'as besoin de parler, tu sais. Mais bon, on est bien là comme ça, non? Ouais, carrément.
Ouais, mais taré. Psaume 35 selon saint Jean. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Plutôt un bon choix. Ouais, c'est juste qu'il aimait bien l'avoir autour de lui, tu sais, à n'importe quel moment. Nathan ? Ouais ? J'ai une surprise, ça va te plaire. On se retrouve tous chez moi ce soir, petite soirée, comme avant, pas de pression. Trop bien, mais j'étais pas au courant. Bah c'est le principe d'une surprise. Enfin après, t'attends pas un truc de fou, parce qu'on a vu ça sur le terrain derrière, donc... Ok, bah j'y serai alors. Ouais ? Ça marche. Dommage, t'as perdu tes clés ? Tu viens, on fait du covoiturage, tu sais que c'est plus écolo en plus. Ouais, je la récupère tout à l'heure. Hein. Tiens, pète-le. Ah, merci. Mmh. Pas mal. Tiens, vas-y. Non, je prends pas cette merde. Ouais. Non. Ok, calme-toi. Tiens. Ah, t'es sérieux, tu le roules et tu le fumes même pas, là? Non, ça va, j'ai pas envie, merci. Non, mais mec, c'est mort, par contre, je fume pas avant, toi. C'est, ça porte malheur. Tu sors ça d'où? Vraiment, je te dis, je fume pas avant, toi. Allez, vas-y, tire, là. Je fume après. Vas-y. Ah, mais il en avait pas envie, t'es con, Mickaël. Ça va. Putain, mais quel abrutisme, mec, j'en reviens pas. Non, mais c'est moi aussi. J'ai bu comme un trou, je suis trop con. Mais t'as pris tes médocs ? Arrête de t'inquiéter. Non mais vraiment Nathan, t'es sûr que ça va ? Putain mais c'est quoi ce bordel encore ? Tu m'attends ? On n'est jamais tranquille hein. Pour mon frère. Pourquoi ? Pour la vie. Qu'est-ce qui va arriver ? Oh, on sait rien. Sa pression qui retombe. T'es beau, et t'inquiète. Je lui ai même pas dit que je l'aimais. Il est parti. Putain, ça sert à rien. Hé, hey, tu sers pas à rien, ok ? Je sais que ton père comptait beaucoup pour toi et que t'as pas su lui dire. Mais que ça te sert de leçon pour la suite. T'as plein de gens vivants autour de toi qui t'aiment. Ceux qui doivent compter maintenant. Comme cette fille. Qui ça, Héloïse ? Bah oui, tu sais bien qu'elle t'aime bien. Puis tu aimes bien aussi, non ? Je dis cette fille et tu dis son nom, c'est pas un signe, ça. J'en ai encore besoin. Non, là, c'est trop. Faut que ça reste occasionnel. Passager. Vraiment, je suis désolée, encore une fois, Mais c'est pas grave, c'est juste un verre. J'ai pas envie de le laisser seul trop longtemps. Bordel, toi aussi t'en fous partout. Vous êtes vraiment pas doués, hein. Et puis c'est sympa de donner à boire au parquet, il avait soif. Enfin après, je préfère que tu lui donnes à boire plutôt que t'ingurgites tout ça. Hein. Pardon, Nathan. J'ai pas à t'imposer une ligne de conduite comme ça. Mais bon, on cherche tous des solutions pour toi. Alors qu'en fait, il y a que toi qui peux la trouver, cette solution. Et pourquoi
moi j'ai cru que je pouvais t'aider sur un truc aussi perso. Mais bon, c'est juste que c'est frustrant parce que je dois attendre et je suis impuissante et je te laisse souffrir et...